L'être de Dieu et son Christ. Les volumes de vérité. Vivre avec et selon ses paroles. Davantage de paroles de sagesse de la part de notre Seigneur, notre Dieu et Sauveur. Une récompense méritée. L'homme important se tient fier. Et l'homme de basse condition est foulé aux pieds. Les yeux du Seigneur l'ont vu, les oreilles du Seigneur l'ont entendu. C'est pourquoi l'erreur des orgueilleux sera révélée et le regard des hautains sera abaissé. Car l'étendue de ma montagne sainte est grande, remplissant la largeur de toute la terre, le poids de la pierre, infini. Et malheur à ceux qui sont écrasés sous elle, dit le Seigneur des armées. En revanche, l'homme de basse condition se lèvera. Et le dormeur humble se réveillera de son sommeil. Ensemble, ils hériteront de la terre. Ils vivront ensemble au sommet de la montagne. Et ceux brisés recevront la guérison au sommet de la pierre, dit le Seigneur. Merveilleux. Le pouvoir du Seigneur est sans fin. Son amour couvre sa création comme une couverture, et la lumière de sa gloire dépasse les étoiles du ciel. Sa majesté dépasse toute compréhension. Elle transcende l'espace et le temps. L'éternité est son nom. L'image explicite du Saint est révélée. Il est connu des siens. Sa gloire brille depuis l'est et jusqu'à l'ouest. La Shekhinah du Fils unique du Père. Son nom est merveilleux. Ses voix sont merveilleuses. Il porte la vérité comme vêtement. Et la gloire est son habit. Et l'amour est son glorieux couronnement. Toute vie procède de lui. Il tient toutes choses ensemble par la parole de sa puissance. Son chemin est éternité, et avec sa bouche, il témoigne de la vérité, toujours. Ainsi donc, témoignons également. Le Père et le Fils sont un. Un. Yahushua, Yahuwah. Un service heureux. Un cœur droit offre un service heureux. Et un donneur joyeux récolte ce qu'il sème. La vie en abondance sera sa récompense. Mais le cœur des méchants cherche sa propre voie, et lui aussi moissonnera selon ce qu'il a semé, accueillant la mort quand elle viendra. Construire la potence.
La vanité est une corde et l'orgueil construit la potence. L'envie mène à la haine et à la jalousie, apportant des pensées pernicieuses. Par conséquent, méfiez-vous des pensées de votre cœur, de peur que vous ne commettiez l'erreur de Haman et marchiez dans le chemin de Caïn, et ce, à votre perte, dit le Seigneur. Marchez ensemble dans la joie du Père. Béni soit l'homme qui donne de l'abondance de son cœur, car un tel homme donne, sachant dans son cœur que tout ce qu'il a est à moi et tout ce que j'ai est à lui, donné et reçu selon la connaissance de ma volonté pour ceux qui croient. Car cet homme sait ce que c'est que d'être mon serviteur. Il n'est lié par rien. Un homme qui marche libre sur toute la terre, bénissant le nom du Seigneur son Dieu, avec une confiance tenace. Ainsi donc, ceux qui donnent par obligation ne connaissent pas la joie du Seigneur, ni la liberté qui vient par le service d'aider les autres en mon nom. Mais le serviteur dont le cœur saute de joie à l'idée de laver les pieds des pauvres et qui cherche aussi avec empressement les affligés pour leur apporter du réconfort, sait que quoi qu'il ait fait pour un autre, il l'a fait aussi pour moi. Car celui-là me connaît et j'habite en lui. Et ensemble, nous marcherons, choisissant le bien et refusant le mal, jusqu'à ce que nous marchions ensemble de nouveau dans mon royaume, dit le Seigneur. S'abandonner. Ceux non brisés restent fiers, et les idiots font des affirmations sans connaissance. Ils sont liés. En revanche, celui qui tient sa langue est sage, et celui qui se donne entièrement gagnera la victoire. Réconciliation dans le mariage. Un cœur inflexible sème la discorde dans le mariage, et l'entêtement ferme la porte à la réconciliation. En revanche, celui qui est le premier à dire « Je suis désolé » est sage, désamorçant n'importe quel argument. Et celui qui est rapide à pardonner soigne la brèche. Des oreilles pour entendre. Un cœur humble et bien disposé est ouvert à moi. Et celui qui est profondément amoureux de moi entendra ma voix.
Toutefois, ce n'est pas quelque chose d'uniforme. Tous mes serviteurs n'entendront pas ma voix de la même manière. Écoutez et comprenez. J'ai parlé à mes prophètes à travers les générations, car je ne change pas, et chacun a reçu ce qui était nécessaire pour accomplir ma volonté parmi le peuple. Alors, réjouissez-vous, mes fils et mes filles, car le Très-Haut est descendu jusqu'à vous. Et voici, j'ai permis que mes serviteurs entendent pour recevoir la sagesse par la puissance de mon propre esprit. Voici, par la parole de ma bouche, mes bien-aimés seront bénis, l'orgueilleux humilié et l'arrogant rabaissé. Car la parole du Seigneur ne revient jamais sans effet, dit le Seigneur. Une bannière agitée. Pour l'incroyant, ma parole, peu importe sa couleur ou son éclat, sera comme les nuages gris d'un jour sombre et morne. Et pour ceux qui ont été piqués dans leur cœur, ce sera pour eux comme une image qui reste devant leurs yeux, tout comme le flash d'un éclair persiste dans l'œil de celui qui l'a regardé, même après qu'il ait fermé les yeux. Or, pour le croyant, mes paroles sont un motif de célébration, un temps pour s'arrêter et prêter attention, car la bouche du Dieu vivant a parlé. Il reconnaît à la fois la couleur et l'éclat, car ses yeux sont grands ouverts. Pour lui, la source et l'auteur sont clairs, car il voit avec le cœur et non avec l'intellect, dit le Seigneur. Croire sans voir. Ne regarde pas extérieurement ce qui ne peut être discerné que de l'intérieur, et ne cherche pas dans le monde ce qui n'est pas de ce monde, car je suis déjà venu. J'habite dans le cœur des hommes, et mon esprit témoigne en ma faveur. Par conséquent, que les affamés viennent à moi et mangent. Laissez les assoiffés se précipiter à mon côté et boire. Et que ceux qui me cherchent ne tournent pas leur tête, qu'ils restent tranquilles et écoutent ma voix, dit le Seigneur. Ta vie.